Bonjour et bienvenue à la Minute Prévention. Aujourd'hui, nous allons parler des bouchons d'oreilles. Face au risque bruit, une protection auditive est souvent indispensable. Les bouchons d'oreilles font partie des dispositifs disponibles. Le but est d'atténuer l'intensité du bruit pour atteindre un niveau acceptable par l'oreille avec un maximum de 80 décibels. Sur les chantiers, les bouchons d'oreilles mis à disposition sont souvent les modèles en mousse, à rouler entre les doigts, permettant ainsi une atténuation du bruit de 20 à 40 décibels. Dans le cas des bouchons en mousse, une étape préparatoire est indispensable. Vous devez le rouler afin d'en réduire uniformément son diamètre. Quand c'est prêt, utilisez la main opposée pour relever le pavillon de l'oreille et avec l'autre, insérez le bouchon, puis le maintenir un moment afin qu'il reprenne sa forme. Quelques précautions toutefois. Privilégiez les modèles hypoallergéniques, car en cas d'usage prolongé, cela peut engendrer des allergies chez certaines personnes. De plus, ayez une hygiène parfaite des mains avant de les mettre en place. Sinon, vous risquez des inflammations du conduit ou de l'oreille interne. Enfin, évitez de les manipuler à toute occasion. Conservez-les tout le temps de votre exposition dans une zone bruyante, puis jetez-les ou lavez-les à la fin de la journée. Vous voulez vérifier si vos bouchons d'oreilles sont correctement mis en place ? Facile, placez vos mains sur vos oreilles, puis retirez vos mains, et cela plusieurs fois d'affilée. Si vous n'entendez aucune différence, c'est que c'est bon, vous voilà protégé. Voilà, c'était la minute prévention de l'OPPBTP. À bientôt!